Hello YouTube, 2 Minute Japan, c'est parti! Aujourd'hui, mettons de côté la pop culture et la perversité. Et allons nous cultiver un petit peu du côté du Shinshoga Museum, le musée du nouveau gingembre. Ce musée a été inventé pour que les gens puissent s'informer et profiter des bienfaits de ce nouveau gingembre. Mais le problème étant que ce musée est très loin des gros centres de population, les grandes villes, ce musée ne reçoit pas beaucoup de visiteurs. Mais depuis le 26 mars jusqu'au 1er mai, va avoir lieu une exposition exceptionnelle à Akihabara au Japon. Pour ceux qui connaissent pas Akihabara, c'est le paradis des otaku. Mais j'en parlerai une prochaine fois. Mais ce sera pas seulement une exposition, ce sera couplé aussi d'un café. Mais qu'est-ce qu'il a de différent ce gingembre, me direz-vous? Eh bien, le nouveau gingembre, en plus d'avoir des vertus pour la santé, réchauffe le cœur. Donc on s'en sert pour réussir en amour, créer de l'harmonie dans son couple. Ce gingembre peut aussi guérir des cancers. Ce que tu dis n'a aucun sens. Un temple aurait même été établi pour le culte de ce gingembre. C'est pour dire, dans tous les cas, ce café expo aura une petite allure de temps et nous pourrons être servis par des jolies serveuses en Miko, rose, je vais y revenir plus tard. On dit que ce gingembre a les formes des cornes d'un cerf. Alors, il est bien évident que la mascotte de cette exposition soit un alpaca rose. Oh, mais t'es mignonne, toi. Un peu grosse, quand même. Ok, d'accord, la mascotte est mignonne, mais quand même. Ah, c'est la fille du patron qui a choisi pour la mascotte et pour le... rose. Si c'est la fille du patron. En tout cas, vous pourrez y trouver des goods, des crèmes au gingembre très bonnes pour la santé à ce qui paraît. Et du côté café, vous aurez des boissons en gingembre qui seront servies par ces jolis Miko et vous les mélangerons avec un bout de gingembre nouveau. Mais qu'est-ce que... Attendez. Mon cerveau a peut-être été corrompu au fil de ces années, mais... je vois bien ce que je vois. Ah non, ça me rassure d'autres personnes, mais c'est pas du tout en fait. Non mais franchement, j'ai vérifié, il n'y a pas que moi qui vois ça. Sur Twitter, tout le monde en parle. Et ouais. Ouais, mais c'est la fille du patron qui... Ah bah si, c'est la fille du... Non, on ne fera pas cette plaque qui a été détournée d'une certaine émission. Non mais honnêtement, entre vous et moi, ce truc, il ressemble à... Ma vie.